Demande une fois, pas deux. Reculez, reculez, reculez. Nicolas Zepeda a été mis en examen aujourd'hui pour l'assassinat de Narumi Kurosaki par le juge d'instruction en charge du dossier ici au pôle de l'instruction de Besançon. Il vient d'être placé en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire. Il a simplement déclaré qu'il était innocent des faits qu'on lui reprochait et qu'il espérait que dans le cadre de l'information judiciaire, on trouverait le véritable auteur de la disparition de Narumi Kurosaki. Ils sont effondrés aujourd'hui parce qu'ils espéraient malgré tout que des révélations seraient faites et que j'ai dû leur apprendre que Nicolas Zepeda reste sur un positionnement lié à son innocence.